Bonjour, Pasteur Catherine. Hello, Samuel. How are you? Très bien, merci. Et toi? Good, excellent. Wow. Dieu est bon, n'est-ce pas? God is good. Amen. Quelle responsabilité. What a responsibility it is. Vous savez, souvent, des fois, tu vis des choses et tu te poses beaucoup de questions. You know, sometimes you can read something and ask yourself a lot of questions about what you read. Mais juste avant de venir, j'étais inspiré par le psaume 2. Just before I got here, I was inspired by Psalm chapter 2. Il y a une partie de ce psaume qui dit, peu importe ce que l'ennemi fait, Dieu rit de ses ennemis. And the beginning of the psalm says, no matter what's happening in the world and no matter what the kings are doing, God laughs. Est-ce qu'on peut rire? Are you able to laugh in the face of the enemy? Amen. Faut pas paniquer en fait. Si Dieu rit de ses ennemis, hey, listen, if God is laughing at his enemies, combien a plus forte raison que nous en tant que ses enfants? How much more should we as his children? Amen. Be able to laugh. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. En tout cas, je remercie Dieu l'honneur et le privilège d'être devant vous ce matin. I really thank the Lord for the privilege of being in front of you today. On va faire notre confession de foi, on va prendre nos Bibles. We're going to take our Bibles and do our confession of faith. Ceci est ma Bible. This is my Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. I am what it says I am. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. I possess what it says I possess. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. I can do what it says I can do. Je suis sur le point de recevoir. I am just about to receive. La semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. The indestructible, incorruptible word of God. Mes pensées sont alertées. I have alerted my thoughts. Mes oreilles sont ouvertes. I have opened my ears. Mon cœur est réceptif. And my heart is receptive. Et dans le nom de Jésus. Right now in the name of Jesus. Ma vie. My life. Ne sera jamais. Will never. Jamais. Ever. Jamais la même. Never ever be the same. Écoutez, quand j'ai su que je devais prêcher. Listen, when I learned that I was preaching today, je n'avais pas autre chose que de vous reparler ce que je vous ai parlé la dernière fois que j'ai prêché le 23 juin. I received no other message from the Lord but the continuation of what I began to share on June 23rd when I was with you the last time. Ce qu'on va essayer de faire, et j'ai un petit cadeau pour vous, si vous pouvez le passer. And this time I have a present for you. I have a gift. Voilà, pour ceux qui sont en français, vous pouvez prendre le QR code pour français et pour ceux, les anglophones. I did my notes in English and in French. Just zap the QR code and then you can download my notes. Vous allez avoir toutes les grandes lignes de mon message. And you'll see that it's the two messages together. Donc, comme vous savez que je suis souvent, je suis l'inspiration. Donc, si je rate quelque chose, vous aurez les notes. So, even if I follow the inspiration of the Holy Spirit in a spontaneous way, you'll still have the notes. Donc, vous pouvez avoir cela. Je vous encourage. Let me encourage you. Prenez ces notes. Take notes. Prêchez-le. Take these notes and preach them everywhere Prêchez-les you go. Prêchez-les dans votre groupe de cellules. Preach them in your home group. Prêchez-le dans votre groupe de maison. Preach them in your prayer group. Prêchez-le où vous allez. Preach them wherever you vous go. Vous n'avez pas besoin de dire où vous avez eu ces notes. You don't even need to tell me where C'est you're going. C'est cadeau. Wherever you go, God wants to give you this message. Et c'est une des choses que le Seigneur me met à cœur de plus en plus. And in fact, the Lord is putting this theme on my heart more and more. Je ne sais pas comment un jour je le ferai. I don't know how I'm going to do this one day. Je pense qu'un jour je ferai un coffret. But I'd like to do a whole kit with a teaching. En fait, donner à quelqu'un, tu l'envoies dans un pays au milieu de nulle part, il construit une église. And give them the way to, you can send this kit to anybody who wants to build a church, no matter what country. Parce qu'il faut bâtir le royaume. Why? Because we are all called to build the kingdom. On n'a plus le temps de se bagarrer. C'est mon message. C'est ton message. Listen, we've seen too much rivalry in ministry. This is my message, or that's my message. Le message doit être prêché. But the whole message of the kingdom must be La preached. Parole doit aller aux quatre word coins du monde. Of God must be preached in the four corners of the earth. Nous devons intensifier, nous devons accélérer, augmenter l'influence de la parole. We need to intensify and accelerate and multiply the impact of the word of God all over the earth. Et c'est pour ça que je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, je vais être partout. That's why I have a show on YouTube and on Facebook and I go everywhere to preach the word of God. Quelqu'un peut me dire, mais que fais-tu?
Somebody can ask me the question, what do you do? Même s'il y a une personne au bout du monde qui donne sa vie à Jésus. Listen, if there's just one person in the furthest corner of the earth that gives their life to Jesus. Quand j'irai au ciel. When I go to heaven. Ce sera ma récompense. I know that that person will be my reward. Amen. Et je veux ramener des milliers. But I want to bring millions of people, thousands of people to the Lord. Et je veux bâtir des leaders forts et puissants. And I want to train and build up powerful leaders. Qui vont transformer la nation. That will transform their nations. Vous remarquerez, j'ai pas dit transformer l'église. Did you hear what I said? I didn't say transform the church. Parce que le leader doit être élevé dans l'église. Leaders are supposed to be raised up in the church. Pour transformer la nation. To transform the nation. L'église n'a pas besoin de transformation. The church doesn't need transformation. Elle a déjà été transformée par la nouvelle naissance. Because people in the church have been transformed by the new birth. C'est le monde qui a besoin d'être transformé. It's the world that needs to be transformed. Il est temps qu'on change la politique. It's time to change the way we think. Il est temps qu'on change le juridique. It's time to change the politics. Il est temps qu'on change le social. And the social system. Et cela and that pourra être fait. Can be done avec la parole de Dieu. With the word of God. Avec des hommes et des femmes. As long as men and women of God qui rise vit up la parole de Dieu. And live, experience la the word of God. La parole fait chair de leur vie. That word has become flesh in their lives. Et là, vous allez voir une transformation. That's de la société. When we begin to see transformation. Et je veux vous parler rapidement au sujet de la nécessité de la prière. Listen, I want to speak to you today about the necessity of prayer. La nécessité de la prière. The necessity, the need for prayer. Vous avez aucune idée qu'est-ce que vous êtes en train de négliger. You have no idea how much you are neglecting prayer. Parce que c'est une puissance illimité. Prayer is an unlimited power. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous parle de toutes sortes de menaces. Today we hear talk of all kinds of threats. Mais je vais vous dire ceci, il y a une menace que même l'ennemi ne peut pas arrêter. But there is a threat that even the enemy cannot stop. Et cette menace s'appelle la prière. That threat is called prayer. Lorsque les chrétiens se lèvent. When Christians rise up. Lorsqu'un homme de Dieu, une femme de Dieu se lève. When a man of God rises up and a woman of God rises up. Ils commencent à prier. They start to pray. Quelque chose se passe. Something happens. Quelque chose se produit. Something produces itself. Et je veux, désolé pour l'introduction qui est un peu mélancolique. I started off slow, melancholic. Vous allez voir dans mes notes, mon intro est un peu mélancolique. Pourquoi je dis cela? Désolé, je vais être transparent avec vous. But I put that in my introduction because I wanted to be transparent with you. Je veux plus. I want more. Je cherche plus. I'm looking for more. Je me contente pas de ce que je vis maintenant. I'm not satisfied with what je I'm sais que Dieu est un Dieu plus. I know God has more. Je sais que Dieu veut nous donner plus. I know God wants to give Et you c'est more. Pour cela je vous encourage, bien-aimés. That's why I encourage you. Joignez-nous à cette millier d'âmes partout dans la terre. Join the thousands, the hundreds of thousands of souls in the earth. Soyons des affamés, des assoiffés de Dieu. Who are hungry and thirsty for more Et levons-nous de la prière. And rise up with all together in prayer. Levons-nous dans la prière. Let's rise up in prayer. Nous devons comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons. Listen, we need to understand the season in which we find ourselves. Selon le livre de Chroniques, 1 Chronique 12, 32. In 1 Chronicles 12, 22. 32. Merci, Pasteur. 32. Je vais aller moins vite, ça ira mieux pour vous. Ça va. La Bible dit que les fils d'Issachar comprenaient. The Bible says in 1 Chronicles 12, 32 that the sons of Issachar knew the times. They understood the times. J'aime bien ce mot comprendre. I like that word understand. Il est temps que l'Église comprenne. Hey, listen. It's time for the church to understand the times. Comprenne, c'est ça? Merci, right? Ma chérie. Parlons la France. Nous sommes dans une saison, écoutez bien, c'est ce que je crois. This is what I believe. Nous sommes dans une saison d'accélération. We are in a season of acceleration. Une saison où les choses cachées seront révélées. A season where the hidden things will be revealed. Une saison de distinction entre le fake et l'authentique. A season where we're able to distinguish between what's real and what's fake. Et une saison, écoutez bien, vous êtes prêts? Vous êtes bien assis? Are you seated? Merci, Pasteur. You ready Robert, for the rest? Où Dieu va mettre de l'ordre dans sa maison. A season where God is putting order in his house. Et
aussi une saison de réveil sans précédent, en même temps un temps de crise générale et mondiale. And also a season of revival that has seen nothing like it before, as well as a time of a general cry that rises up. C'est une crise, et vous allez voir, en même temps que ce réveil va se manifester, at the same time that revival will break out, et il y aura un temps de crise en même temps. There will be crisis at the same time. C'est pour cela que vous et moi, on ne devrait pas paniquer. That is why you and I, we're not supposed to panic. On doit faire comme Dieu, on se rit de nos ennemis. We need to be like the Lord who laughs at his enemies. Juste regarde à ton voisin ou à ta voisine, dis-lui ha ha ha. Tell your neighbor ha ha ha. Bon, c'est pas ton ennemi, d'accord? It's not your enemy. Non, je préfère te le dire, on ne sait jamais. Just in case I'm not clear about that. Ésaïe 60 nous dit qu'il est temps que l'église se lève. Isaiah chapter 60 says rise up or stand up, church. Et ce qui est impressionnant, il dit que les ténèbres, c'est surprenant, j'ai l'impression que Ésaïe décrit le temps dans lequel vous et moi nous vivons aujourd'hui. Listen, when I read Isaiah 60, I have the impression that he's describing the times we live in. Les ténèbres couvrent la terre. Because he talks about the darkness covering the earth. Quand on regarde gauche, droite, en haut, on voit les ténèbres, alléluia. You look all around and you see darkness, right? Mais il y a une bonne nouvelle. But here's the good news. Sur toi. Upon you, la lumière de l'Éternel the light se lève. Of his glory will arise. Je dis sur toi, bien-aimé. On you, people sur of God. Toi, frères et upon sœurs. You, brothers sur and sisters. Toi, Église upon de you, Dieu. Church of sur God. Sur toi, corps upon de Christ. You, body of la Christ. Lumière de Dieu se lève. The light of the alors, Lord laisse-moi te dire, up. En d'autres mots, tu es une torche ambulante dans la société in aujourd'hui. In other words, you are a light that moves throughout society. Ce qui veut dire que ces gens qui ne savent pas où ils vont, the people that don't know where they're going, tu ramènes la lumière, you bring light into their et ils lives, voient le chemin. And then they'll see the way. Et vous savez tous que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. And you know very well, Jesus vous savez tous qu'il est celui qui mène vers le Père. You know, he's the only one that brings us to notre the Father. Vie devrait éclairer pour ramener les gens vers notre so Père our céleste. Lives are light c'est to la bring raison people to the Father. Pour laquelle that's nous vivons. Why. We live. That's c'est why la we raison exist. De notre existence. That is why we're on this de donner earth. Gloire à notre Père. Give glory to comme the Lord Jésus our God. Est venu donner gloire the à son Père. That Jesus came to give et glory maintenant, to his il nous a donné le Saint-Esprit we have the Holy Spirit now pour glorifier le Père et le Fils to glorify the Father sur cette and the terre Son on the pour earth. Ramener sa gloire. To bring oh his glory Dieu. To the earth. Hallelujah. Amen. Quatre voies. Je vais développer une voie aujourd'hui, mais laissez-moi vous donner. Pour moi, je crois que c'est déterminant pour les messages que je vais prêcher dans les mois à venir dans l'Église. I believe the Lord has given me a series to preach over the next few months. Les quatre voies pour influencer le monde et la société. I'm going to talk to you about four ways to influence the world and the society you live in. Il y a différentes façons dont l'Église peut rendre son autorité et son influence efficace dans le monde. There are different ways for the Church of Jesus Christ to make their power and authority and influence more effective in the world. Premièrement, la prière et l'intercession. The first one, as we know, prayer and intercession. Deuxièmement, témoigner et faire des disciples. Secondly, witnessing and making disciples. Dieu merci pour CFH. Thank you, Lord, for the discipleship school. Ensuite, prêcher, enseigner. Then, third thing, preaching and teaching. Mais pas que prêcher, enseigner. But not just preaching and teaching. Mais démontrer le royaume. But manifest, demonstrate the il kingdom. Est temps d'avoir quelques démonstrations it dans l'Église. Is time to see demonstration c'est plus le in moment d'en parler. It's not just time to talk about c'est it. Le moment de vivre. Ensuite, nous parlons ce que nous vivons. We live it, we experience it, and then amen. We talk about it. Amen. Et ensuite, faire du bien. Then, do good. Vous savez, on était en train de discuter avec, à la maison avec Jonathan. I was talking with my son Jonathan at home. Actuellement, on était en train de manger. He was eating, actually. On était en train de manger ensemble. Il nous partageait un peu ce que Dieu lui mettait à cœur. We were eating together. He was sharing what God was showing him. Ah, je dis, fils, ça, c'est des idées pour pouvoir aller faire du bien dans la société. And I said to him, listen, son, the ideas you're having will do wonderful things in society. Peut-être Dieu te donne ces désirs pour pouvoir aller faire des œuvres humanitaires dans des pays où il n'y en a pas ce genre de choses. Maybe God is giving you these ideas so that you can do humanitarian works in places on the earth that don't have them. Et c'est ça l'Église. That's what the church is all about. C'est pas juste être dans quatre murs le it's dimanche. It's not just about living the experience c'est in the four walls of the church. C'est important qu'on se
rassemble. C'est important qu'on recharge notre batterie. Mais notre rôle ne se joue pas ici. Ça se passe de l'extérieur. Il est temps que l'Église sorte et aille faire du bien. Il est temps que Saint-Denis puisse savoir que Bon Berger est là. Nous voulons faire du bien à notre ville. Gloire à Dieu. Ce sont les principales manières dont Dieu attend que l'Église exerce, écoutez bien, son influence et son autorité. So those are the four ways that the church is called by God to influence society. Et j'ai découvert que pour commencer, nous devons l'exercer cette influence dominante par le biais de la prière. So the first way that happens is when we look at point number one, we're exercising our authority and our influence through prayer. Je suis en train de découvrir des choses. Je croyais savoir des choses sur la prière. I'm beginning to discover things, brothers and sisters. Mais vous savez, des fois, toi et moi, si on est franc, des fois, ouais, mais tu sais, je suis fatigué, j'ai pas le temps, t'as vu? But if we're honest, we all say this. Oh, you know, I wanted to pray, but I'm tired. Mais lorsque tu comprends le rôle que ça joue. But listen, when you understand the role that prayer plays. Tu sais, comme un gars qui est dans l'armée. A guy in the army. Quand il est en train de faire la guerre, when he's in the combat, in the battle, il ne se pose pas la question si son homme est une question de il a envie ou il n'a pas envie. He's not going to ask himself, do I feel like carrying my weapon today or not? Soit c'est eux, soit c'est moi. It's either them or me. La prière, c'est pareil. And prayer is the same way. Et c'est pour ça, au fait, qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on rentre dans une phase où l'Église n'a pas cette force influente, au fait. That's why we see that the Church of Jesus Christ today does not have the influence it's supposed to have. Pourquoi? Why? On fait tout. We're doing all on this activity. Planning. We've got this program. On a des programmes. We've got plans that mais we la made. Prière est le dernier dans le programme. But how often is prayer at the last of the list, the end of the list? Tous les rayons, vous faites une réunion prophétique, blindée. Meetings that are prophetic, you get draw a huge crowd. Rayon d'enseignement blindé. If you have lots of teachers come in for your meeting, you'll have a full house. Rayon de prière. But if you have a prayer meeting, il y a 10 personnes qui se battent en duel au milieu. 10% of the people are coming to the meeting. Et on se demande pourquoi notre vie ne change pas. And then we ask ourselves, well, why doesn't our city change? Et on se demande pourquoi notre société ne change pas. Why doesn't our society change? Et on se demande pourquoi notre famille ne change why pas. Why doesn't our family change? On se demande pourquoi nos enfants ne changent why pas. Why don't our children change? Bien aimé, vous avez les notes. Il y a tellement de versets dans la Bible qui parlent de la prière. Jésus dit pour montrer qu'il est nécessaire. Jesus gave us tons of verses in the Bible, and you have the notes now to show us how important it is to pray. Il dit nécessaire. It is necessary. Vous savez, on nous dit que nous, l'être humain, on a besoin de trois choses nécessaires pour vivre. Listen, generally speaking, human beings only need three things to live. Si tu enlèves ces trois choses-là, tu es hors de la planète. If you take any of those things away, you will die. Mais ici, Jésus te dit, la prière est nécessaire. But here, Jesus says repeatedly how necessary prayer is. Et toi et moi, qu'est-ce qu'on dit? On est fatigués. What do we do with that? Oh Lord, you know, I'm just tired today. Et lui, il dit, c'est nécessaire. But Jesus said, no, it's necessary. Écoutez, je ne suis pas là pour vous condamner. Now listen, I'm not here to condemn you. Mais je suis venu tuer cet esprit religieux. But I just want to see that religious spirit banished from your life. Il est temps que l'Église se lève because dans la prière. Because it's time for the church. Laissez-moi in prayer. Vous dire, quand une église se lève dans la prière. Listen, when a church rises up in prayer. Une église de prière est une église puissante. A church that prays is a powerful church. Une famille qui prie est une famille puissante. A family that prays is a powerful family. Un couple qui prie c'est un couple qui est puissant. A couple that prays is a powerful couple. Un croyant, une croyante qui prie est un croyant, une croyante puissant et puissant. A believer who prays is a powerful believer. Alors levons-nous pour prier. So it is time to rise up to pray. Jésus dit, ma maison sera. That's right. Jesus said, my house shall be called a house of prayer. That's right. Mais vraiment? Mais vraiment? So really? Mais vraiment? Seriously? Analysons la place de la prière dans toutes nos réunions. All right. Imagine who comes to prayer meetings. Vous savez, ne me regardez pas, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, bien que mon prénom mentionné deux fois. Now, my name is in the Bible twice. Il a dit sa maison sera appelée une maison de prière. Qu'est-ce qu'on fait? On met des spots, on met tout ça. Est-ce qu'il a dit tout ça?
Jesus je said, suis pas con. My house will be called a house of prayer. So what do? We put a sound system, on we put instruments, we put spotlights. That's not what he said. Pareil, on a des problèmes, on va tout essayer, après on se réveille, on se dit, peut-être qu'on devrait essayer de prier. Or, when you encounter a problem, you try everything to solve the problem, and then finally you wake up and say, I should have been praying. Je parle à quelqu'un, oui. Am I speaking to anybody today? On peut dire, oui, moi, ou oulala, ou say, je sais pas. Hallelujah, or, oh dear. Et Paul, il le résume. Écoutez, vous avez les notes. Je prie Dieu, ce que je suis en train de vous donner avec les notes, ça va catapulter votre vie de prière. I pray that what I sent to you with my notes will catapult your life into a life of prayer. Et Paul dit dans Timothée, il dit avant toute chose. Paul said this to Timothy, before anything else or above all else. Paul, tu veux dire avant que je prends mon petit déj? What? Paul, you mean before I have breakfast? Il dit avant toute chose, prie. Before anything else, pray. Tu vois, c'est ça, au fait. Il y a une expression française que vous dites, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. There is an expression in English that says, you don't put the cart before the ox. C'est ce que toi et moi, on fait dans notre vie. But see, that's what we've done in our lives. On fait tout sauf prier. We do everything else except pray. La prière fait partie juste de nos obligations spirituelles. Prayer is just part of our spiritual obligations. Mais pas une arme puissante. And we have not discovered that prayer is a powerful weapon. Plus je grandis dans ma foi, plus je réalise l'importance de la prière dans le rôle de la formation spirituelle et de ramener le royaume de Dieu sur cette terre. The more I grow in faith, the more I discover the power of prayer to transform my life and make me a powerful influence in the world. Et moi, je veux avancer dans une vie de prière plus vibrante et plus puissante and pour la gloire de I Dieu. I want to pursue a life of prayer that is more dynamic, more intense, more dedicated. Laissez-moi vous donner trois citations que j'ai données la dernière fois. Concernant la prière. I'm going to give you three quotes about prayer. Je vais vous parler de Charles Spurgeon, je vais vous parler de D.L. Moody et je vais vous parler de Martin Luther. These quotes came from three men of God. Premièrement, Charles Spurgeon dit, je préfère enseigner à un homme à prier qu'à 10 à prêcher. Charles Spurgeon said this, I prefer to teach one man to pray more than teaching 10 men to preach. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des écoles pour former des gens comment prêcher. What do? We create these schools to teach people how to preach. Mais jamais j'ai vu une école. I've never in my life ever. Trouver une école qui enseigne des gens comment prier. A school that teaches how to pray. Vous pensez que Charles Spurgeon, il avait du poids dans ce qu'il disait? What do you think about the weight of Charles Spurgeon's words? D.L. Moody, lui, il met tout le monde d'accord. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je préfère prier que d'être un grand prédicateur. Regardez ce qu'il dit. Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples comment prêcher, mais seulement comment prier. D.L. Moody, who was a famous evangelist, said, I prefer praying more than preaching. Jesus never taught his disciples to preach, but only to pray. Vous n'êtes pas surpris que écoutez, si toi et moi on aurait été avec Jésus, venez avec moi. Vous êtes avec moi? On est Are ensemble? You still with me? Are we together? Si toi et moi on était avec Jésus. Listen, imagine that we would all be with Jesus. Tu vois le gars, il marche sur l'eau. You see Jesus walking on water. Tu vois le gars, il multiplie du pain et des you poissons. You see Jesus multiplying bread and fish. S'il y avait une chose que je lui demanderais. If there was something I would have asked him. S'il te plaît, donne-moi la formule. Show me the magic formula. I want to do what you're doing, Jesus. On est d'accord ou pas? Right? Wouldn't you Mais do the same les disciples thing? N'ont pas demandé la formule. But that's not what the disciples asked for. Il a dit, enseigne-nous comment They prier. They pleaded to Jesus, teach us how to pray. Qu'est-ce qu'ils ont compris, ces disciples? What did they understand? Ils ont compris que ces heures, ces nuits de prière, c'est ce qui déclenche le miraculeux. They understood that his long nights in prayer was what released the miracles. Je répète, ils ont compris que ces heures, ces nuits de prière, c'est ce qui déclenche le fait de marcher sur l'eau. I'm going to say that again. Those disciples understood that Jesus' long hours and long nights of prayers is what released miracles. Il faut qu'on prie, bien-aimé. They understood that. That's why they asked. Il faut qu'on prie.
Listen, il est temps qu'on prie. La dernière fois, je vous ai parlé de 2 Chroniques 7:14 pour vous donner la solution de Dieu pour guérir notre nation. The last time I preached, I spoke from the Bible, the solution in 2 Chronicles 7:14 about what we need to see happen to heal our nation. J'essaie d'aller vite parce que j'ai envie de vous partager ce que hier soir le Seigneur m'a montré, mais c'est I really want to share with you what the Lord showed me yesterday evening. Premièrement, il dit, quelqu'un dit humilité. The first key, humility. Prier. Prayer. Chercher ma face. Seek his face. Se détourner de ses mauvaises voies. Leave your wicked ways behind. C'est 4 conditions de Dieu. 4 conditions. Qui va ramener l'écoute de Dieu. That will produce what? God listens. Pardon des péchés God forgives et la guérison de notre nation. And God heals the nation. Tu vois, toi et moi, on est en train de regarder notre gouvernement. Here we go. We look at our government. Mais c'est pas ce que Dieu dit. And God's not saying, Dieu dit look que at your politicians. Le pays no, 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 est no, no, déterminant no. du rôle de mon peuple dans la société. Listen, it's up to the church to determine what happens in the nation. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Isn't that powerful? Tu vois, on écoutez, je vais dire quelque chose. I'm going to say something. Ça fera pas trop plaisir, mais je le dis quand même. I know it won't please you that much, but I have to say vous it. Vous savez bien que des fois, je vous dis des choses parce que je vous aime, c'est pour ça que je vous le dis. And sometimes, like you guys, I have to tell you things because I love you. Tu sais, on est comme ces pharisiens, bande de vipères. Sometimes we're like those Pharisees who Jesus called a group of vipers, a band of vipers. Mais on a autant de divorces qu'on a dans le monde aujourd'hui dans l'église. Look at the level, the number of divorces that happen in the church. On a autant d'immoralité qu'on a dans le monde. Look at how much immorality takes place in the church. Alors, où est le problème? So where is the problem? Mais est-ce que c'est le monde le problème? Is the problem coming from the world? Jésus a donné sa vie, ils ont juste besoin d'accepter. Listen, Jesus gave his life for the world, they just need to know it and accept it. Mais toi qui as accepté l'alliance But de Dieu. But you've already accepted the lordship of Jesus. Tu es en train de bafouer le sang de Jésus. And you are taking too lightly the blood that Jesus shed. Et c'est ce qui ramène plus de condamnation sur la nation que le péché du monde. And when the church does that, that's what brings more condemnation in a nation. More so than the world. Je sais ce que je dis, c'est du lourd. Now I'm telling you something pretty heavy. Je veux vraiment vous encourager. But I want to encourage you. Ceux qui n'ont pas vu de prière, s'il te plaît, je te supplie avec la miséricorde de Dieu, commence. Listen, if you do not have a prayer life, I'm pleading with you in the name of Jesus, start having a prayer life. Ceux qui avaient une vie de prière qui se sont arrêtés, s'il te plaît, je te supplie, recommence. Those of you who used to have a prayer life but don't have it anymore, I'm pleading with you, restart your prayer life. Et ceux qui ont une vie de prière, s'il te plaît, continue et intensifie. And those of you who have a solid prayer life, continue and intensify that prayer life. Amen. Tu sais, la prière n'est pas une obligation du chrétien, mais une question de vie. Listen. The truth is, prayer is not an obligation for the Christian. It's a question of life and death. La prière n'est pas un moyen de prouver Dieu votre spiritualité, mais c'est un droit légal d'exercer votre droit de citoyenneté sur cette terre. Prayer is not to prove your spirituality, but it is to exercise your right as a citizen of heaven. La prière n'est pas un moyen d'obliger ou manipuler Dieu pour faire quelque chose, mais la prière, c'est demander à Dieu d'accomplir ce qu'il a décrété dans sa loi. Prayer is not so that you can control God and manipulate him and ask him to do something you want, no, but to reinforce what he has said and ask him to accomplish that. Je vais vous dire ceci rapidement, vous avez dans les notes. Pour comprendre la prière, vous devriez, vous et moi, pour que nous comprenions la prière, nous devons comprendre le droit, la légitimité, la légalité et l'autorisation. There are 4 things we need to understand if we are going to be effective in prayer. We need to understand our right to pray, the legality, troisième, l'autorisation. The authorization that we have and the legitimacy that we have. Et tout ça, ça fait partie de la prière. All of these things are necessary. Genèse 1:26 dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Vrai ou pas? Did God say in Genesis, let us make man in our image? Yes or no? Et dans ce verset, la prière est née. And it is in that verse that prayer was born. Il dit, et ensuite dit, qu'il domine. Qui domine? And then God blessed them and said,
Let them dominate, let them rule. L'homme. Who's supposed to be ruling? Men. Dieu créa l'homme et la femme en lui donnant la domination sur la terre. God created man and woman together to dominate on the earth. Ce qui est surprenant, c'est que Dieu s'est exclu. And God, this is what's surprising, God excluded himself. Et vous allez comprendre le rôle de la prière. On va y aller, on va y aller. And that's why you'll see how important prayer is. Vous avez mes notes, 7 principes. 7 principles I need you to have. Je vais aller vite, d'accord? Vous avez les notes. I'm just going to summarize them because you all downloaded the notes. L'autorité légale de dominer sur la terre a été donnée à l'homme. First thing, the legal authority to dominate on this planet has been given to mankind. Dieu ne s'est pas inclus dans cette structure d'autorité sur la terre. Number 2, God did not include himself in that authority structure on the earth. L'homme est devenu le gestionnaire du domaine. In other words, God, number 3, man has become the steward of what God entrusted to him. C'est pourquoi on dit kingdom, king domain. C'est pour ça on dit donc en anglais ça sonne très bien. Kingdom veut dire le domaine du roi. C'est ce qui veut dire kingdom. Right. Le domaine du roi. Écoutez, ça va vous foudroyer. Écoutez. Now the next point is gonna Seul, oh mon Dieu, seul un esprit dans un corps physique a l'autorité sur la terre. It is only a spirit in a physical body that has authority on the earth. Tout esprit sans corps est illégal sur la terre. Every spirit without a physical body is illegal in the earth. Et maintenant, toute influence surnaturelle sur la terre n'est légale que par l'homme. Now every supernatural influence happening in the earth is only legal because of mankind. Est-ce que vous vous rendez compte? Do you realize this? C'est l'homme qui autorise l'invisible de se manifester dans le visible. It is up to mankind to authorize the manifestation of what is invisible. Et c'est pour cela que je comprends l'apôtre Paul maintenant. Now I begin to understand the words of the apostle Paul. Il dit que Dieu nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes. That he's the one that said God raised us up with Jesus in heavenly places. C'est-à-dire par le biais de la naissance naturelle. In other words, through natural birth. J'ai le droit sur la terre. I have authority on the earth. Par les biais de la naissance spirituelle en recevant Jésus. And through a spiritual birth when I receive Jesus. J'ai le droit dans le ciel. I have authority in heavenly places. Et maintenant j'ai cette double citoyenneté. So in other words, I have dual citizenship. Ce qui veut dire que Dieu, vous et moi, nous avons cette capacité. You and I, we have the ability. De connecter à notre pays d'origine. To connect to our country of origin. De tirer les influences. And to take the influence from that country et de le manifester and distribute it, sur cette manifest terre. It on this earth. Oh, mon Dieu, mon Dieu. You get that? Ce qui veut dire que ça nous rend très dangereux. Ça veut? Ça nous rend très dangereux. This makes us people who are dangerous. Et écoutez-moi, le dernier, Dieu s'est soumis à ce qu'il a dit. Number 7, this is very important. God submitted himself to what he said. Oh mon Dieu. Wow. Tu vois pourquoi le diable veut pas que tu pries? Do you begin to understand why the devil doesn't want you to pray? Parce qu'il sait que le moment que tu commences à invoquer Dieu, because he knows the minute that you invoke the name of the Lord, l'influence du ciel va venir pour virer l'influence des ténèbres. The influence of heaven will come to earth and banish the influence of darkness. Et c'est pour cela aussi que vous voyez que les œuvres de l'évangélisation ne peuvent être qu'efficaces que après avoir été imbibé, nourri, cultivé dans la prière. That is why any evangelical works can only be productive if they've been saturated by prayer. Écoutez bien, aimé, ce que je vous dis, ça, c'est mentionné dans le livre des Actes du début jusqu'à la fin. And you can read about this in the book of Acts from the beginning to the end. Les gars, ils priaient et les lieux tremblaient. Listen, when people prayed, the places were shaken. La puissance de Dieu se manifestait. And the power of God le Saint-Esprit descendu. And the Holy Spirit came les signes down. Se manifestaient. And the miracles pourquoi manifested. Why? C'était une église de prière. It was a church of prayer. Est-ce que vous n'êtes pas surpris d'entendre, bon, il est parti dans la gloire d'entendre que Pasteur Yonggi-cho a eu l'église la plus grande de la planète Terre. Does it surprise you to know that a Korean man by the name of Yonggi-cho had the biggest church on the planet
Ce gars, il prie pendant tout le... Ah, mais je veux dire, le réveil, il tourne, il prie. He was a guy who prayed all night long, constantly, repeatedly. Des montagnes de prières. And he created prayer mountains. Est-ce que vous avez vu un cursus d'enseignement de Yonggi Cho? Have you had any teachings from Yonggi Cho? Mais il a écrit des livres sur la prière. He wrote tons of books about prayer. Pourquoi? Il savait que la prière était la clé pour déclencher quoi Why? Que ce soit. Because he knew that prayer was the key to releasing Et moi, God's si power. Je veux être impactant dans mon ministère, and listen, if I want to be fruitful and have an impact in my ministry, je sais que la prière n'est it's pas une question. Got to be saturated with prayer. La prière n'est pas une option. Prayer is not optional. La prière n'est pas une option. Prayer is not optional. J'espère que je vous motive assez. Am I motivating you a little bit? Écoutez bien maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure, l'homme autorise l'invisible sur le visible, vrai ou pas? I'm going to repeat a point I made. It is mankind that authorizes invisible things to Regardez-moi manifest. Maintenant. Look Cela est valable pour Dieu et Satan. That is also true for God and Satan. C'est pour cela. La dernière fois, je vous ai témoigné. Laissez-moi témoigner rapidement. I'm going to give you a quick testimony. La dernière fois, j'étais en train de me réveiller pour prier. J'ai dit, ah Seigneur, mais tu sais, je suis un peu fatigué. La semaine était longue. Laisse-moi dormir un peu. I was starting to wake up to get up to pray, and I wanted to say, Lord, you know, the week has been so long, I'm really kind of tired. Can I sleep a little bit longer? Et tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit? And you know what the Holy Spirit said to me? Tu peux dormir. Yeah, you can Repose-toi. Sleep. Repose-toi. If you want to, you Mais can sache rest. Que depuis minuit, But know this. Depuis minuit, il y a des agents de démons qui sont levés, qui vont dans des lieux pour faire des sacrifices, des incantations, verser des sangs pour pouvoir te maudire. Alors, dors. Since midnight, demons and demon worshippers have gone to the high places to sacrifice blood so that you would be bothered. So go ahead, sleep if you want to. C'est ça le problème. That's the problem. Les agents de Satan sont en train de travailler matin, midi, soir. The agents of Satan never give up working against Pendant you. Pendant que nous, l'église, on dort. And the church is sleeping. On fait notre goûter. And we make our little plans. Tu fais, on fait notre sortie du samedi. And we go out on Saturday night Et and sais, have a good time. Et tu sais, on fait notre petit truc, tu and vois. And we do all the little things we want to do. Tu sais, il faut pas déranger les gens. Let's not bother the people around Et us. Après, tu te demandes pourquoi t'es si dans des graves problèmes. And then you wonder why do you find yourself in these serious problems. Parce que les agents de Satan, ils sont pas dans le repos, eux. Because the agents of Satan never rest. Ils sont virulents. They're powerful. Tu as déjà rencontré un? Have you already Moi, met j'en ai a rencontré. Demon? Listen, I have met Ils demons, rigolent pas. And they don't joke. Ils sont virulents. They are ferocious. Et s'ils savent que tu es, ils savent que tu es enfant and de Dieu. They know that you're a child ils of God. Ressent l'Esprit de Dieu en and toi. They know the Spirit of God is in you. Et là, on va voir. Et moi, j'aime ça, moi. And I like when we're challenged. Parce que pour moi, tu vois, c'est pas une question de lutte. It's not a question of struggle. Tu vois, mon Jésus, il t'a triomphé. I tell the demon, my Jesus already conquered you. J'ai même pas besoin de te dire, je fais ça. Ah. Et tu te dégages. All I have to do is breathe the power of the Holy Spirit, and you got to get out of here. That's how I Et talk c'est ça, to demons. En fait. That's the truth. Parce que nous, l'Église, on a tellement peur. Sometimes the church is so scared. On ne réalise même pas ce que Jésus a fait pour nous. We don't even realize what Jesus did for us. On ne réalise pas qui on est. We don't realize who we are non, in non, Christ. Non, non, écoute, je vais te dire quelque chose. C'est dur ce que je vais dire, d'accord? It's going to be a little bit hard to hear. Écoute, si je dois avoir peur des démons, Listen, if I'm supposed to be scared of demons, autant je jette ça à la poubelle, je vis comme tout I le monde. I might as well just throw my Bible in the garbage. Right? Vive comme tout le monde. I can live like the rest of the world. Non, 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 non. Come on, no, we don't want that. Tu ne peux pas me toucher. You cannot Je te mets touch au défi me. De toucher ma vie. I refuse you the right to touch toucher my ma femme, wife. Mes touch enfants. My wife, touch my children. Toucher mon église. You get away from my toucher church. Ma nation. You get away from Je my nation. Je te mets au défi. I am challenging you. Mais tu sais ce qu'ils vont te dire? Ils vont dire, mais nous, on est là depuis des décennies. You know how the demons will answer you? Listen, we've been here for centuries. Je we dis, have moi, the right to be Je connais quelqu'un qui est là avant que tu sois là. We were here before you got here. Moi, je vais lui dire que je connais quelqu'un. I'm going to tell that demon, listen, I know someone. Qui est là avant que tu sois là. Who was here before you were here. Et 2000 ans de cela, tu l'as rencontré sur la croix. And you saw what happened 2000 years ago. Et je fais partie de sa bande. And I am part of his group. So there.
Comment trouvez-vous, vous savez, quand vous étiez à l'école, vous marchiez toujours avec le gars qui avait le gros bras pendant la récréation? Ne faites pas comme si vous ne compreniez pas de quoi je parle. Do you remember school? Ah, c'est mon pote. Tu vas le payer son sandwich parce que tu sais que quand tu es avec lui, tu es au calme. Listen, when you hang out with the strongest guy, you won't be bothered. C'est bon ou pas? Right? In school, that Mais happens. Mais tu vois, c'est ça en fait. But un enfant de Dieu, I'm c'est ça. Child of God, quand tu marches, Jésus, le gros bras qui a triomphé de mille ans cela, Jesus il est avec toi. Who triumphed over sin and death and every demonic power 2,000 years ago. Alors comment tu peux être déprimé? How can you be depressed? Oui, je vais déprimer pendant une heure. Yeah, I'm going to be depressed. Mais je vais me ressaisir. But then after an je vais hour, prendre ce que Jésus m'a donné. I'm going to grab what Jesus gave me. Je veux vous donner autre chose aussi. Vous savez, il est temps que nous, on commence à témoigner de la puissance de Dieu dans notre vie. It's time to testify what, about the power of God in Cette semaine, j'ai dû me faire... Bon, ce n'est pas une grande opération, j'ai une sagesse. This week, I had a wisdom tooth pulled out. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est grave ce qu'ils font. What they do? Ils ont des marteaux-piqueurs, ils ont... Mais... The ils font flipper, ces gens-là. The dentists have is almost like a jackhammer. Ouvrez grand awesome. Votre bouche. Ne vous inquiétez pas, oui, c'est facile pour toi de dire ça. Yeah, it's easy for you to say that. C'est toi qui tiens le matériel, pas moi. You're dentist, you're my dentist, you've got all those tools. He says it's not going to hurt. Yeah, right. Pasteur Robert, la soeur, elle est comme ça. Moi, je flippe ça, moi. I was freaking out when I saw his tools. A needle like this to be injected into my jaw. Et quand il a fini, il a dit, maintenant, on va prendre le bistouri, on va... Je dis, quoi? So he explains every step of it, and then he says... Et dans ma petite bouche là, ils ont mis 4 points là. Dans quatre ma petite foot? Bouche, 4 points. He injected me 4 times in my teeny little mouth. Ils m'ont cousu 4 fois, 4 points. And they 4 stitches. Hey, moi, écoutez, vous êtes habitué, moi je suis pas habitué avec ça. Maybe moi. You're used to that. I'm not Sauf used to that. I was ready to run out of there. D'où Jésus? Pourquoi souffrir comme ça, mon Dieu? Why do I have to suffer like that for a wisdom tooth? Mais ce qui était surprenant, But this is what was surprising. Je suis rentré, je me suis fait opérer, j'ai pris la voiture, je suis allé au travail. I had the operation, I got into my car right afterwards, and I went straight to work. Et j'ai animé une formation. And that afternoon, I was teaching a training session. Hey, si notre Dieu ne peut pas faire ça, listen. Mais... If God can't do that in a powerful, supernatural way, si à chaque fois on a quelque chose, ah, je suis fatigué. As soon as we have a bobo, we fall to the ground. Ow! Mais c'est quoi ces chrétiens là? What kind of Christian is that? Ah bon, oui, Jésus est Seigneur. Ouais, parle à ma tête, n'écoute pas. It's easy to say Jesus is Lord, but then how do you react? Non, il est temps qu'on se lève. C'est pour ça que. So, I'm saying all this to say it's time for the church to rise up. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est Écoute, encore une fois, je remercie Dieu pour son énergie en moi. I thank the Lord for his spirit and his energy in me. C'est lui qui me donne cette énergie. He's the one that gives C'est me lui this qui me donne cette force. C'est and lui this qui me donne cette courage. And this courage. Je ne peux pas y arriver par moi-même. I can't do that by myself. Je ne peux pas le faire par I can't moi-même. Do whatever Mais he asks il me m'a by donné myself, une aide. But he has given me a helper. Et je m'empare de cette aide. And I use that helper. Il faut qu'on se lève. So, we need to rise up. La prière amène le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. La prière libère l'influence de Dieu et lie l'influence de l'ennemi. Prayer brings the kingdom of God, brings the will of God. Prayer binds up the enemy and releases the power of God. Je suis en train de résumer puisque vous avez des notes. J'ai découvert que la Bible est dans Genèse 18. Première fois qu'on voit l'intercession avec Abraham, Sodome et Gomorrhe. We discover intercession for the first time in Genesis chapter 18 when Abraham prays for Sodom and Gomorrah. Et ensuite, Apocalypse, nous voyons que Dieu dit que dans un bol, il y avait la prière des saints. And we see in the book of Revelation that God has this big bowl filled with incense and it was the prayers of the saints. Et tu vois, bien-aimé, Dieu garde tes prières précieusement. In other words, God preciously keeps the prayers that you pray. Aucune prière qui n'est faite n'est pas restée insensible de la part de Dieu. No prayer that was ever spoken has ever been ignored by the Lord. Alors n'écoute pas le diable, ne laisse pas le diable te faire sous-estimer ta prière. So don't let the devil make you underestimate the power of prayer.
Et je vais essayer, je dis bien essayer, hein, je vais essayer de terminer avec ça. I'm going to try to close with this point. Tu sais, ce que je suis sur le point de partager avec toi, listen, what I'm sharing with you today, c'est ce que j'ai découvert 30 ans de cela lors de, mon, de ma découverte de Dieu, lorsque je découvre l'Évangile. I actually discovered it 30 years ago when I discovered God and I discovered the gospel. Et j'ai découvert la puissance de la prière et le jeûne. I discovered the power of prayer and fasting. Écoutez, j'ai grandi avec des hommes et des mentors que je bénis Dieu pour eux, qui m'ont bercé dans le jeûne et la prière. I was raised with spiritual men and mentors who saturated me with a life of prayer and fasting. Bon, je savais pas bien lire correctement ma Bible, mais il y a une chose que je savais faire, c'est déjeuner et prier. Listen, I might not have known how to study my Bible correctly, but I did know how to pray and fast at that time. Et franchement, quand j'ai découvert ça, deux exemples que je vais vous donner rapidement. I'm going to give you two examples. Comment trouvez-vous, vous connaissez l'histoire de Néhémie? How many of you know the story of Nehemiah? Raise your hand. Vous connaissez yes. l'histoire de Néhémie? You know it? C'est une histoire impressionnante. It's a very impressive story. D'ailleurs, la tradition juive nous dit que les deux livres étaient ensemble, livre Esdras et Néhémie. In fact, the Jewish tradition says that the two were contemporaries, Ezra and Nehemiah. Et les deux livres étaient condensés, sauf que nous, on les a séparés. And so the two books actually are one account, and we separated it. Et nous voyons un qui vient pour restaurer donc tout ce qui est l'adoration et tout ça dans le temple, la culture d'honorer, adorer, tout ça. So we see that one of them came to restore worship services in the temple. Et ensuite, Néhémie vient pour bâtir. And Nehemiah was the one that came to build le mur. Et ce qui m'a impressionné, ils ont pris 52 jours pour bâtir ça. Does this surprise you? They took 52 days to build the wall. Mais c'est impressionnant. But it's impressive. It was so fast. Et quand tu lis l'histoire, ils n'ont pas eu que du beau temps. Hein. Hey, listen, it wasn't always easy. They didn't have just nice weather to build the wall. Ils avaient des attaques. They were attacked. Mais tu sais ce qui m'a encore plus touché. But you know what really touched me about the story of Nehemiah? Et là, je vais vous donner une clé, peut-être ceux qui se demandent comment je sais que Dieu m'a appelé à faire quelque chose. And I'm going to give you a key, especially for those of you who are asking yourselves, how can I know that God has entrusted me to do something? Écoutez bien. Les gens viennent voir Néhémie. These people come up, they see Nehemiah. Et le chapitre 1, il commence comme ça. And he's ready to start. Et il le partage ce qui se passe. And he tells them what he's doing. Non, il le partage comment la vie était là-bas, comment les murs étaient ébréchés. The people explain to Nehemiah why the walls are broken down. Et ce qui était impressionnant, c'est que la Bible dit qu'il était tellement touché qu'il rentra dans un temps de jeûne et de prière. And as soon as Nehemiah heard that the walls around the city were broken down, he entered directly into a time of prayer and fasting. Ça m'a quand même impressionné. That's what impressed me. Tout le monde vivait la même situation. See, everybody was in the same situation at the time. Il y a que Néhémie qui était touché. But Nehemiah was the only one that prayed and fasted. Et ça, c'est une preuve que quand tout le monde vit quelque chose et que toi seul tu es touché par une situation, c'est que quelque part Dieu veut que tu mettes ton nez dedans. For me, that is proof that when everybody's in the same situation but you're the only one that's touched, God wants you to react. Et ce qui est impressionnant, encore plus. And this is what's even more impressive. Franchement, c'est ça. It's powerful. Hier, je lisais, il dit au mois de Kislev, le verset premier, il dit au mois de Kislev, c'est le mois de Kislev qui représente novembre-décembre. J'ai regardé un peu, hein. Je ne connais pas le calendrier, j'ai regardé. Okay. So, Nehemiah, chapter 1, verse 1, talks about the month of Kislev. Et ensuite, il dit qu'il jeûna, il pria et tout. Okay? And after that, it tells about how Nehemiah was fasting and praying. Et ensuite, au mois de Nissan. The next chapter, too, it was the month of Nissan. Qui veut dire mars, avril. It's around March, April. Il y avait un décalage de 3 mois. So, here we see, in Kislev, 3 months later,
Nissan, the different month. Et là, le roi vient vers lui, il dit, ouais, mais pourquoi t'es triste comme ça, mon gars? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, c'est paraphrase Samuel, ok? And at that point is when the king came to him and said, why are you so sad? Why are you mourning? Et là, il commence à raconter son histoire. Comment je pourrais être joyeux, mon roi, l'état de laquelle les murs se trouvent? And his answer was fascinating. He said, how do you want me to rejoice if the state of the walls is are in this condition? Et encore plus, ce qui m'a impressionné. And this is the other thing that impressed me. Le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? The king says to Nehemiah, what do you want me to do to help you? Toi et moi, on veut que notre gouvernement font quelque chose pour nous. Listen, you and I expect the government to do something for us. Mais lui, lorsqu'il a eu l'appel, when the king heard about Nehemiah, il a jeûné, il a prié. Nehemiah was the one who had the call to fast, to Dieu, fast and to pray. Dieu a créé cette connexion avec and le roi. God creates this connection with him and the king. Et le roi lui propose ce que tu veux, je te and donne. It's the king that comes to Nehemiah and says, non. What do you need? What can I do to help? Juste, je vais vous faire rêver avec moi. Venez avec moi. I want you to dream with me. Imaginez-vous que le maire de Saint-Denis vient frappe à la porte à l'église. Imagine that the mayor of the city of Saint-Denis comes and knocks on the door. Il dit, écoutez, pasteur du Bon Berger. And he says to us, pastors of Bon Berger. J'avais tellement de sous pour les JO. I had so much money left over from the Olympics. Je ne sais plus trop quoi faire. I don't even know what to do with it. Vous devez faire votre bâtiment. You need to redo your building. Allez-y. Here you go. Have the money. Vous voyez, quand je dis ce genre de choses, vous rigolez. I see some of you are laughing about that. Est-ce que vous savez que ça peut se produire? But that can happen. Oui, beaucoup entre vous, vous rigolez, vous dites. Let's be real. You're chuckling in your seat. Moi, vous savez, vous ne serez pas surpris qu'un jour Dieu me donnera la faveur avec des hommes hors du commun. Don't be surprised if God gives me favor one day with extraordinary men. Pourquoi? Parce que je Why? Suis un homme de prière. Because I'm a man of prayer. J'ai compris. I understand something. Ce qui veut dire que le jeûne, écoute, tu es prêt? Le jeûne et la prière déclenchent la faveur de ton autorité. Fasting and prayer releases the favor of your authorities, civil authorities. Si ça aurait été toi et moi, now, if the story was about you or me, non, on est l'église, il faut nous aider, ya. We would be whining, we'd be complaining. Oh, we're a church, we need some help, we need some money, come on. Le gars, il a jeûné nope. Et prié. That's not what Nehemiah did, he fasted and he prayed. Et une fois jeûné et prié, le roi est venu lui donner. And after he did that for 3 months, the king came to him. Et moi qui est bien, c'était même pas Nehemiah qui a demandé. And it wasn't even Nehemiah that asked for it. C'est le roi qui demande à Nehemiah. The king came to Nehemiah and said, "What can I do to help?" L'église, il est temps qu'on se positionne pour ça. It is time to take a position in favor of these kinds of things. Lorsque tu rencontres quelqu'un, do you understand? Même toi, pasteur Robert, je prophétise sur ta vie quand tu vas aux États-Unis. Listen, when tu you go to the States, Pastor Robert, quelqu'un, ils vont te dire, "Ouais, tu veux faire ça pour ton ministère? Tiens, je signe le chèque." You're going to meet men who come up to you and say, "Oh, you want to do this in your ministry? Here, I'm going to write you a check." Amen. Amen. Hey, il est le même ce Dieu-là. Merci, pasteur Catherine. Prêche. Je ne fais que traduire. Est-ce que c'est le même Dieu dans cette Bible que Listen, toi et moi on sert? Are you serving the same God that you see in the Bible? Je vais te dire quelque chose. I'm going to tell you something. On parle de l'Ancien Testament. We're talking about the God in the Old Testament. On parle de l'Ancien Testament. We're talking about the Old Testament in this passage. Alors beaucoup vont dire oui, mais tu sais, nous sommes dans une nouvelle alliance. And a lot of people are going to say, well, now we're in the new covenant. Ça c'était à l'époque. That was only at the time of Nehemiah. Mais j'ai quand même quelque chose pour toi. I've got something for you too. Il est écrit dans Hébreux, j'ai une meilleure alliance basée sur des meilleures promesses. In the book of Hebrews, the Bible says that the new covenant has better promises for us. Ce qui veut dire que je peux attendre mieux que ça. So, my promises in the new covenant are better than that. J'ai pas le temps pour une question de temps. Et ensuite, si tu continues, if you continue reading the story, il a eu la faveur. He had the favor of the king. Et ensuite, le verset, la fin du chapitre, vers le milieu du chapitre 2, il dit, la bonne main de Dieu était sur moi. And around the middle of chapter 2, Nehemiah raises his voice and says, the hand of God was on me. Ce qui veut dire que pour que toi et moi, on ait la faveur, il faut qu'on ait la bonne main de Dieu sur nous. In other words, when we have the favor of God, we have the hand of God upon us. Et quand la main de Dieu vient sur toi et moi, and listen, when the hand of God comes on you and me, faveur. Favor is released. Faveur. Favor.
faveur. Favor. Quelqu'un crie faveur. Somebody say favor. Comment entre vous, vous avez besoin un peu de faveur? Listen, who needs favor in this room? Alors criez-le, faveur. Cry it out, shout it out. Yes. Faveur. Favor. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Thank you, Jesus. Écoute, je suis en train d'abréger. Hier, j'ai tout noté. Listen, I've got so many notes in my Bible, all of the things I was studying last night. Et ensuite, Pasteur Robert, le Saint-Esprit me dit, va dans Esdras. And then the Holy Spirit showed me to read the book of Ezra. Allons-y, sur votre gauche. Okay, so we're going to go to the book Esdras of Ezra. Esdras, chapitre 7. Chapter 7. Je vais lire juste le verset 6. Et Esdras vint à Babylone. C'était un scribe. Versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Mon Verse Dieu. Verse 6, the hand of God was on Ezra too, and the king gave him everything he needed. Il lui donna tout ce qu'il avait quoi? Everything he asked for. T'imagines? Juste rêver avec moi, s'il te plaît. Stay Rêve with me. Avec moi. Que l'Église aujourd'hui en France puisse avoir la faveur de notre autorité et nous accueille. Peuple de Dieu, que voulez-vous que je fasse? Faveur. On a vu la prière dans la vie de Néhémie, n'est-ce pas? In the life of Nehemiah. Quelle était la clé qui déclencha cette faveur dans la vie de Ezra? What was the key that liberated the favor of God in the life of Ezra? Le verset 9 et 10 du même chapitre 7, Read il dit number 9, verse 9 and 10 in your English Bibles. Et je vais lire le verset 10, quand Ezra avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner. Especially verse 10, it had it on his heart to study the word. Study the law of God. La prière, le jeûne, prayer, la parole, fasting, va contribuer pour que la main de Dieu soit sur toi. These three things contribute to having the hand of God upon your life. Et quand la main de Dieu est sur toi, and when the hand of God is upon your life, faveur. That's when favor is released. T'imagines que lundi tu vas travailler et ton patron te convoque. Imagine you go to work on Monday and your boss calls you into his office. Il dit que je suis en train de réfléchir. And he tells you this. I was just thinking about something. Jésus, 10 000 balles, je sais pas quoi faire. I've got 10,000 extra euros I don't know what to do with. Je sais pas, peut-être tu le voudras. I don't know, maybe you need them for a project or something. Tu vois, c'est ce genre de choses. Est-ce qu'on devrait Listen, attendre ça? Can we expect that kind of favor in our lives? Quand la main de Dieu est sur toi. Listen, when the hand of God is on you. Faveur. It's favor. Faveur. Favor is released on you. Faveur. Favor. Quelqu'un dit faveur. Say favor. Il me reste 5 minutes. OK. Je termine. I'm going to finish in 5 minutes. Daniel dit dans Daniel le chapitre 10. Daniel chapter 10. Vous connaissez tous cette histoire. You know the story of Daniel. Il y avait une guerre, etc., etc. There was a war going on, etc. Remarquez bien que la prière déclenche les faveurs terrestres. I want you to notice that prayer unleashes earthly favor. Et dans Daniel le chapitre 10, le verset 10 à 13. And we see it in Daniel chapter 10 verses 10 to 13. Vous allez voir que la prière déclenche les activités célestes sur le terrestre. Prayer also unleashes heavenly activity on the earth. Je vous l'ai mis dans les notes. Allez étudier. You can see it in the notes. Go home and study that this week. Ça nous prendra encore 15-20 minutes, j'ai pas envie d'abuser de votre temps. Now, if I had to explain it all, it would take about 15-20 minutes. Donc, quelqu'un dit la prière. So listen, I'm going to summarize. Prayer déclenche releases la faveur terrestre. Earthly favor. Deuxièmement, la prière. Second point. Prayer déclenche releases les activités célestes. Heavenly activity sur le terrestre. On the earth. En te disant ça, est-ce que maintenant tu peux imaginer quand tu pries ce qui se passe? Now imagine what happens when you pray. What's going to take place? Tu vois, je vous ai dit la dernière fois que Dieu nous a mis à cœur les Caropins de louer une salle une fois par mois dans notre ville, de prier, de bénir notre ville, de bénir notre région. I think I told you this last time. The Lord put it on our hearts as a family to rent a room in our city once a month to pray for the city. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? And you know what the Lord said to me? Sam, bâtis un hôtel.
He asked me, Sam, I want you to build an altar. Lorsque la prière montera dans cet autel. And when prayer rises up from that altar. Ça va repousser toutes les influences. It is going to push back the influence of darkness. On va repousser les ténèbres. Pushing back the darkness. Je ne serai pas surpris dans quelques années. Now listen, I won't be surprised in a few years. Le gang le pire de ma ville sera sauvé. The worst gang leader of my city becomes saved. Le dernier voleur sera sauvé. The last thief in my neighborhood is saved. La plus grande qui est dans les réseaux prostitution sera sauvée. The biggest prostitute in the city becomes saved. Pourquoi? Why? Parce que les chrétiens se lèvent pour Because prier. Because Christians are rising up to pray. Et on crie la miséricorde de Dieu. They pray the mercy of God. On prie la puissance de Dieu. The power of God. On prie l'amour de Dieu. The love of God. Et là, les églises, et non seulement ça, on prie pour tous les pasteurs dans la ville. And we also pray for all the pastors. Et bientôt, on va se rencontrer. And so that we meet them. Pourquoi? Why are we getting together? On veut créer une coalition. We want unity in our city. On veut être une force de frappe. We want to be a coalition that hits hard. C'est ça. That's what I'm talking about. C'est ça, au fait. That's what prayer is all about. Quand un pasteur va me dire, oui, mais tu sais, je cherche un lieu, ben, tu sais, je loue la salle, ben, utilise. C'est when ça. When a pastor comes and looking for a room for his church, here, the city says, have this room. Quand tu travailles comme ça, tu vas voir. Tu sais, il faut qu'on arrête ça, ton église, mon église. Hey. We need to stop the rivalry. Oh, your church or my church or whatever. On bâtit Listen, le royaume de we Dieu. We are building together for the kingdom of God. Amen. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. Désolé d'avoir pris un peu trop de temps. Thank you for listening to my heart today. J'espère que ces quelques mots vous ont vraiment inspiré pour que vous puissiez dynamiser votre vie de prière. I pray that what I shared will reignite your prayer life. S'il y a une chose qu'on doit être reconnu, c'est des hommes et de femmes If we de prière. Are to be known for something, we should be known as men and women of prayer. God bless you.